الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين ما بعد فأولا وقبل كل شيء نشكر الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المسجد لطاعته وجمعنا لذكره ولنتفقه في الدين ولنتبصر في الدين فنسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما وتفرقه بعده تفرقا معصوما. Donc première chose, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a rassemblés dans cette mosquée dans ce temps qui est après Salat al-Asri, afin de l'invoquer, de le citer et de comprendre plus notre religion et de pouvoir mieux connaître notre religion et les pièges de Shaytan. Nas'Allah al-Ali al-Azim an ya'simana minhu. Unwanu hada ad-dars insha'Allah azza wa jalla sayakunu hawla ma yata'allaqu bi'awaqib adh-dhunub wa ما يستجلب الذنب من السيئات ومن الأمور الوخيمة والخبيثة للعبد في دنياه ودينه وآخرته. Donc le sujet de cette conférence, inshallah azza wa jal, c'est les conséquences néfastes des péchés. Les conséquences néfastes des péchés pour le serviteur d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire le musulman ou la musulmane, que ce soit dans sa vie, c'est-à-dire dans sa vie présente, et quand on dit dans sa vie présente, que ce soit dans sa vie matérielle ou que ce soit dans sa vie spirituelle, c'est-à-dire dans sa religion. Naam. Wa ma yata'allaqu bil akhirah, concernant les conséquences dans l'au-delà, فهو موضوع أهم من المهم, plus important que tout ce qu'on peut imaginer. ولكن nous avons choisi nous avons choisi le sujet concernant les conséquences des péchés sur le serviteur musulman dans cette vie. أما في الآخرة فالعذاب الأليم الذي أعده الله عز وجل لمن عصاه نعم يعني موضوعه كبير ويحتاج إلى وقت ودروس. Concernant les conséquences néfastes dans l'au-delà du châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé et a réservé à ceux qui lui désobéissent et au péché, illa liman arada Allahu an yaghfira lahu, sauf pour celui à qui Allah a voulu lui pardonner. Ça, c'est un autre sujet qui pourrait prendre beaucoup de cours. Nous allons inshallah simplement parler, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les conséquences néfastes des péchés dans la vie du serviteur, dans cette vie présente. Sawa'an mimma yata'allaqu bi dunyahi aw ma yata'allaqu bi dinihi wa huwa a'zamuha. Que ce soit les conséquences des péchés sur le serviteur dans sa vie matérielle, ou alors, et c'est le pire, dans sa religion et dans sa vie spirituelle. Fa nabda'u insha'Allah 'azza wa jalla bi 'awaqib adh-dhunub wa tab'an qabla kulli shay qad yaqulu al-'abd limadha نتكلم عن الذنوب ولماذا نتكلم عن الشر ونحن في العشر الأواخر نسأل الله عز وجل الجنة والفردوس الأعلى من الجنة فنقول أن معرفة العبد للشر قد يكون أنفع له من معرفته للخير. C'est-à-dire le serviteur lorsqu'il essaye de rechercher qu'est-ce que le mal et quelles sont les conséquences du mal, ça peut être pour lui, ça va dépendre des gens, mais ça peut être pour lui plus utile que de connaître le bien. ولذلك أثير عن حذيفة بن اليمان الصحابي المعروف أنه كان يقول
كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه أو كما قال رضوان الله عليه. Hudayfa ibn al-Yaman, ce compagnon, ce noble compagnon qui disait, les gens posaient au prophète des questions sur les choses du bien, sur les bonnes actions, sur le paradis, sur ci, c'est ça. Et moi, je lui posais des questions sur le mal, de peur de tomber dedans. Afi al-haqiqa, law tafakkara al-muslim, aw tafakkarat al-muslima, fi najatihi min an-nar, na'am, la wajada anna najatahu min al-ma'asi, yakfihi dhalik. C'est-à-dire, le serviteur, s'il s'écarte réellement des péchés, en connaissant connaissance de cause des conséquences de ces péchés, bi'idnillahi azza wa jal, ça le suffira, incha'Allah azza wa jal, ba'da ada al-fara'id, après le fait de faire les obligations religieuses, pour entrer au paradis. Naam. Fanaqulu wa billahi nasta'in, awaqibu al-dhunub kathiratun jiddan, wallahu al-musta'an. Les conséquences néfastes, tab'an, parce qu'il n'y a pas de bonnes conséquences des péchés, sont nombreuses. Wa nahnu sanabda'u bi'awaqib بالعواقب الدينية والعواقب الروحية والعواقب القلبية. On va commencer déjà par ce qui est le plus important. Naam. Parce que ce qui est le plus important en tant que musulman, c'est notre religion et non pas notre vie présente et les choses mondaines, non pas notre place sociale et notre rang social, non pas notre subsistance ila akhirihi. Ce qu'il y a de plus important, c'est la vie spirituelle, al-hayatul qalbiyya. Et cette vie spirituelle, la vie du cœur, naam, elle est plus que touchée par les péchés. Et c'est ce qu'on va voir, inshallah. Fa al-awaqib kathira, les mauvaises conséquences des péchés sont nombreuses. On va essayer, inshallah, de citer certaines, pas toutes, taman, certaines, et essayer de résumer le plus possible. Fa منها حينما يذنب العبد في حياته ويعصي الله عز وجل ويتبع الشيطان يجد في نفسه وفي قلبه ظلمة. La première des choses, c'est que lorsque le serviteur va désobéir à Allah عز وجل, sallallahu alayhi wa sallam, il va trouver des ténèbres et une obscurité dans son cœur. وَيَجِدُ وَحْشَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. Là, attention, on parle du serviteur musulman, on ne parle pas de ceux qui sont non-musulmans. Le non-musulman, son cœur est mort. Donc lorsqu'il fait des péchés, ça n'a même pas d'effet sur lui. Par contre, le musulman et la musulmane, le serviteur d'Allah, l'allié d'Allah, le rapprocher d'Allah, parce que même s'il fait des péchés, c'est un allié d'Allah. Même s'il commet des désobéissances, Allah l'aime. لِأَنَّهُ مُسْلِم, parce qu'il est musulman. Lorsqu'il désobéit à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est comme si qu'il s'échappait. الْعُلَمَا يُمَثِّلُونَ ذَلِكَ بِإِبَاقِ الْعَبْدِ. Il donne l'exemple de l'esclave. À l'époque, il y avait l'esclavage, de l'esclave qui s'enfuit de son maître. إِبَاقِ الْعَبْدِ. Il se sent perdu. Alors qu'il était sur la voie droite qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, il s'échappe. Il se détourne. فَيَجِدُ وَحْشَةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهِ. Il sent alors, il trouve alors dans son cœur, il se sent seul. Il se sent délaissé. Na'am. Et il sent de la ténèbre, des ténèbres et de l'obscurité dans son cœur. وَهَادِهِ وَهَدَ الْعَذَابِ فِي الْحَقِيقَةِ. Et ce châtiment, qui est un châtiment qu'Allah Azza wa Jal sallitu ala al-qalb, qu'il envoie dans le cœur du serviteur qui a désobéi à Allah Azza wa Jal, قَدْ يَكُنْ مِنْ أَعْظَمِ الْعَذَابِ وَمِنْ أَعْظَمِ الْعُقُوبَةِ. Ça peut faire partie des conséquences les plus néfastes et des châtiments les plus pires. Le fait que le serviteur musulman qui se sentait en sécurité, qui se sentait na'am, aidé par Allah subhanahu wa ta'ala, مُؤَيَّد مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, qui se sentait sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, yafqidu dhalika kulla bisabab adh-dhanb. Il perd tout cela en une fraction de seconde lorsqu'il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yajidu al-wahsha wa yajidu adh-dhulma
ويجد الخوف et il a peur. ولذلك تجد أن المؤمن الذي يخاف الله عز وجل من آمن الناس ومن أعظم الناس أمانا في الدنيا وصدق الله عز وجل إذ يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. نعم, ceux qui ont cru et ceux qui n'ont pas mélangé leur foi d'injustice et de shirk et d'association, أولئك لهم الأمن. وهذا أسلوب الحصر, c'est-à-dire que ce sont eux et seulement eux qui sont en sécurité, qui sont sereins, cette sérénité et cette sécurité qu'ils trouvent dans son cœur. نعم, et ne la connaît que celui الذي جربها, que celui qui la vit. حينما تعصي الله, lorsque tu désobéis à Allah عز وجل, tu sors de cette sécurité, tu sors de cette protection et tu le sens dans ton cœur. تخاف من كل شيء. الفاجر, celui qui désobéit à Allah عز وجل, celui qui est loin du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelqu'un qui a peur, non pas qui a peur d'Allah, mais qui a peur de tout le monde. ولذلك حينما وصف الله المنافقين في كتابه, lorsqu'Allah عز وجل dans le Coran il a décrit les hypocrites, ماذا قال؟ نعم, قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة, كأنهم خشب مسندة من قوة أجسامهم, كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. À chaque fois qu'ils entendent un cri ou quelque chose, ils croient que c'est pour lui. يخاف. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, ils croient que نعم سريرته, son secret dans le péché ou dans la mécréance va être dévoilé. Alors qu'il est fort physiquement. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. فيخاف من كل شيء وهذه من عواقب الذنوب. Et ça fait partie des plus graves, نعم, et des plus apparentes, je dirais, conséquences des péchés. Le fait de perdre cette sécurité, de perdre cette هذا الأنس, de perdre le fait d'être proximité, le fait d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné cette sérénité dans ta foi. بعد ذلك ومن عواقب الذنوب أن الإنسان إذا أذنب في حياته يضعف قلبه ويضعف بدنه. Il va devenir faible. Alors qu'il était fort en Allah Azza wa Jal. Car la force n'est qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi al-izzatu li rasulihi wa lil mu'minin. Alors qu'il était fort en Allah, qui se sentait fort, pas en lui-même mais en Allah Azza wa Jal. Pas physiquement, mais spirituellement. Na'am, par son âme il était fort. Son cœur il était fort. Il retrouve la faiblesse. Yajidul hawan wa yajidul da'f. Na'am, il retrouve de la faiblesse dans son cœur, spirituellement. ولا ننسى أن قوة المؤمن في قلبه. Et ne pas oublier que la force du croyant, elle est dans son cœur. Donc si le croyant, par le péché, perd cette force spirituelle et cette force qu'il y avait dans son cœur par le fait d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, يصبح ضعيفا, il devient faible. ولذلك, et c'est pour ça que tu vois celui qui désobéit à Allah Azza wa Jal, ne serait-ce qu'une fois, lorsqu'il sort et il se détourne du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, يكون ضعيفا حتى في بدني, il se sent faible même dans son corps. نعم, يكون كسلان, il se sent paresseux. يكون عاجزا, il est touché par la paresse et par l'incapacité physique. لماذا؟ لأن قوة المؤمن نعم مستمدة من قلبه. Parce que la force du croyant, le croyant il prend sa force de son cœur. Toute la force elle est dans son cœur là. Contrairement au non-musulman. Le non-musulman sa force elle est qu'apparente. Sa force elle est que physique, il n'a aucune force spirituelle. Naam. Donc s'il commet un péché ou ne commet pas un péché, ça ne va pas changer quelque chose pour lui. Il va toujours se trouver cette force qui est une force apparente, une force physique. Amma al-mu'min la. C'est pour ça que la personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, yafqidu quwwata. Il perd sa force un moment. نعم فيفقد قوته في طاعة الله. Il perd sa force dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il n'arrive plus à prier comme il priait.
Il n'arrive plus à se lever la nuit pour prier. كما أثير عن بعض السلف وأثير عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه قال أبصرت كعب امرأة يوما من الأيام الإمام الشافعي هذا الإمام العظيم un jour il parle de lui-même mais c'était pour montrer en réalité et c'était pour nous en réalité une da'wa نعم et un ذكرى et une utilité. Il nous dit un jour j'ai observé le talon d'une femme. Il a dit, j'ai été privé à cause de cela, j'ai été privé de faire qiyam al-layl, de me lever la nuit pendant 6 mois. Il perd sa force dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'arrive plus à jeûner, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à se réveiller la nuit. Il trouve son âme paresseux. العجز والكسل الكسل c'est la paresse, c'est-à-dire يفقد القوة الإرادة, il perd la force de la volonté. والعجز فيفقد قوة البدن, comme on a dit c'est l'incapacité corporelle et physique, il n'a plus cette force qu'il avait. نعم ولذلك حينما تجد العبد يتوب إلى الله, c'est pour ça que cette personne là le musulman lorsqu'il se repent vers Allah سبحانه وتعالى وخاصة في هذا الوقت بعد التوبة بعيد التوبة مباشرة, juste après le repentir, tu trouves le musulman lorsqu'il se repent vers Allah Azza wa Jal, هذا يصيبنا كلنا, et ça arrive à nous tous. Lorsque tu te repens vers Allah Azza wa Jal, les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, tu trouves une force dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que tu vois les gens qui viennent de se convertir à l'islam ou ceux qui reviennent vers Allah Azza wa Jal alors qu'ils étaient loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu les trouves forts dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et quelquefois cette force elle va trop loin. Quelquefois il est même trop dur. Naam, il est même trop dur. قَدْ يَكُونُ بِبِسَبَبِ الْجَهْلِ, ça peut être quelquefois par la cause de quelque ignorance dans la religion. وَلَكِنْ بِنِيَّةٍ صَادِقَ, parce que son intention elle est forte, son intention elle est pure. Il s'est repenti vers Allah Azza wa Jal et tu trouves une force que quelqu'un qui est depuis plusieurs années dans la religion ne la trouve pas. Et ça, c'est arrivé même aux sahabas. Abu Bakr al-Siddiq, radouanallah alayhi, il dit un jour, naam, et les sahabas les plus, c'est-à-dire minas sabiqin al-awwalin, parmi ceux qui se sont convertis au début, naam, ils ont trouvé après des années et des années dans l'islam, naam, qu'ils avaient perdu cet élan de foi et cette force spirituelle qu'ils retrouvaient dans les nouveaux convertis à l'islam. Et ça c'est quelque chose malheureusement qui est quelque chose de naturel pour l'être humain, parce que l'être humain yamal, l'être humain par sa faiblesse c'est rare qu'il reste persévérant dans ses actions et dans son rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, illa man rahim Allah wa ayyadahu Allah. Et malheureusement, Naam, il perd de sa force spirituelle au cours du temps. لم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. Naam, أطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Naam, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a justement blâmé les sahaba, les compagnons du prophète alayhi salam, après des années de révélation qui descendait du Coran ila akhirihi, les a blâmés. نعم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. N'est-il pas venu le temps que les croyants نعم soient humiliés, ça veut dire s'humilient devant la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant Allah azza wa jal la akhirihi, et qu'ils soient touchés par les versets d'Allah azza wa jal, et qu'ils ne soient pas, qu'ils ne ressemblent pas aux communautés précédentes, c'est-à-dire les gens du livre, les chrétiens et les juifs, نعم, qui, parce que attention, eux ils ont vécu plus longtemps que nous, نعم, et qu'ils ont eu une durée de vie plus longue que nous. Et avec, à force du temps, à cause du temps qui était long, à force, naam, leurs cœurs se sont endurcis. فهذا من عواقب الذنوب أن يجد الإنسان ضعفا في قلبه وفي بدنه. Il trouve une faiblesse dans son cœur et dans sa foi. ومن عواقب الذنوب الوخيمة, et parmi les conséquences néfastes des péchés aussi, naam, أن الإنسان الذي يذنب هذا الذنب يكون سببا لذنب آخر يكون سببا لذنب آخر كما يقول العلماء الحسنة عفوا تتبع الحسنة والسيئة تتبع السيئة. La bonne action fait
suite à une bonne action. Et la mauvaise action, na'am, a comme conséquence une mauvaise action. فالذنب إذا لم يتوب العبد من الذنب في أقرب وقت يكون هذا الذنب سببا لذنب آخر وهذا خطر. Si le serviteur d'Allah Azzawajal ne se repentit pas de son péché, quel que soit ce péché, que ce soit un grand péché ou un petit péché, na'am, فإن الذنب لا ينبغي أن يحقر العبد الذنب. Il ne faut pas, surtout pas, que le serviteur d'Allah méprise le péché. Na'am. فكما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغار الذنب أو كباره ولكن إلى انظر إلى كبار وعظمة من عصيت. Ne regarde pas la petitesse ou la grandeur du péché, mais regarde la grandeur et la majesté de celui à qui tu as désobéi. لا تنظر إلى صغار الذنب. فعلى كل حال, si la personne ne s'est pas repentie le plus vite possible de son péché, ce péché-là va être la conséquence d'un autre péché. Et ensuite, ce deuxième péché, la conséquence d'un autre péché. Et la conséquence de tout cela, la conséquence de tout cela, c'est quoi ? أَنَّهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ نَعَمْ تَكُونُ فِي قَلْبِهِ النُّكَتَ السَّوْدَى كُلَّمَا أَذْنَبَ. À chaque fois qu'il va pécher et faire un péché, ce péché va se coller comme un point noir sur son cœur. S'il ne se repentit pas et ne demande pas pardon à Allah Azzawajal, le deuxième péché, ce sera un deuxième point noir. Et ça continue. Un troisième, un quatrième, un cinquième, ila akhirihi. Hatta kama qala an-nabi sallam, hatta ya'lu ala qalbihi ar-ran. Jusqu'à que, c'est-à-dire l'emporte sur son cœur, ar-ran. Ma sammahu Allah Azzawajal ar-ran, kama qala Azzawajal, kalla bal. رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نعم مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالْمَعَاصِي نعم يَكُونُ رَانًا عَلَى قَلْبِهِ. Ça devient ce qu'on appelle الران, c'est-à-dire que le cœur نعم est alors submergé par les péchés. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est submergé par ces points noirs et par ces péchés-là? نعم بعد الران يكون الطبع والعياذ بالله والختم على القلب. C'est-à-dire que le cœur الذنب بعد الذنب هكذا فسر العلماء الران حتى يعمى القلب jusqu'à que le cœur il devient aveugle والعياذ بالله ويمرض القلب jusqu'à que le cœur il devient malade نعم وبعد ذلك et l'étape qui vient juste après والعياذ بالله et là c'est la pire وحينئذ يعز الانسان. À ce moment là la personne c'est simplement quelqu'un يكبر عليه اربع تكبيرات. Naam, il ne faut plus faire que la prière funéraire sur lui. Salat al-janaza, c'est celui dont son cœur meurt, walayadu billah, et il devient scellé. Kama qala Allah azza wa jal, taba Allahu ala qulubihim. Naam, lorsqu'Allah azza wa jal, il scelle le cœur de la personne, à cause de quoi? À cause des péchés. C'est pour ça que le musulman, surtout, qui ne se dise pas, comme on a dit, qui se dise pas, oui, mais ça c'est des petits péchés, c'est pas grave. Et les petits péchés, ils sont pardonnés par les prières. Tout ça c'est vrai, par les cinq prières ils sont pardonnés, les petits péchés ils sont pardonnés par le fait de s'écarter des grands péchés, bijtinab al-kaba'ir, les petits péchés ils sont pardonnés entre Ramadan et Ramadan, wa bayna al-umra ila al-umra wa bayna al-jumu'a ila al-jumu'a. Tout ça c'est vrai, lakin, mais les petits péchés, na'am, déjà première des choses, si la personne méprise ce péché, c'est à ce moment-là que ce péché devient grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am, laysa li dhati dhanb, pas par ce péché en lui-même, parce que c'est un petit péché. Walakin, na'am, li, ya'ni, li fuqdan al-haya min qalbi had al-mudnib. Parce que cette personne-là, lorsqu'elle a commis ce petit péché, mais comme elle méprisait ce petit péché, elle disait, ma'alish, c'est juste un petit péché. Na'am, ce qu'il y avait dans son cœur au moment de faire le péché, c'est ça qui est grave auprès d'Allah, c'est le fait de ne pas avoir cette pudeur. هذه الحياء الحياء cette pudeur dans la dans le cœur. Naam. Wa al-aks bil aks comme قال العلماء, l'inverse aussi. Celui qui commet un grand péché, mais lorsqu'il se commet ce grand péché, il a honte. Naam. Il a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le commet parce qu'il est faible, mais lorsqu'il le commet, il a honte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qad yusayyiru Allah hadha adh-dhanb al-kabir saghiran. Allah azza wa jalla, il peut transformer ce grand péché en petit péché. Pourquoi? Par cette honte qu'il avait dans son cœur au moment de commettre le péché. Naam, fa Allah la yata'azamuhu shay'un. Allah subhanahu wa ta'ala, rien qui est dur
ou qui est difficile pour lui. Allah Azzawajal, il peut changer un grand péché en petit péché, un petit péché en grand péché. Na'am. Bima yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Fa idhan narji'u ila al-mawdu' fa al-dhanb qulna annahu yani al-ma'siya tatbi'u al-ma'siya. Tu vas commettre un deuxième péché jusqu'à wal'a'udhu billah, le cœur il devient rongé par les péchés et il devient wal'a'udhu billah scellé, et à ce moment-là hinama yakunu at-tab' wal-qafl wal-khatm la yatta'idu bima'idha. À ce moment-là wal'a'udhu billah plus rien ne lui est utile spirituellement parlant, donc pour son cœur. Ni les ma'u'idha, ni les exhortations, ni les rappels, ni les durous, wala sama'u al-Qur'an, ni le fait d'écouter le Qur'an. Wala yadu billah. Et à ce moment-là, khalas, tahal amr. Donc surtout le musulman, avant d'arriver à cette étape, wala yadu billah, il faut qu'il se rattrape. C'est pour ça que la tawba, le repentir, c'est quelque chose de très important. Wallahu yuhibbu at-tawwabin, alladhina yukthiruna at-tawba. Al-awwab, al-tawwab, celui qui se repent vers Allah Azza wa Jal jour et nuit, même pour des petits péchés, même pour des choses, il ne sait pas si c'est un péché ou pas, il se repent vers Allah Azza wa Jal. Wa hakana kana halatu al-anbiya, les prophètes, c'est comme ça qu'ils étaient. Wa halu nabiyyina alayhi salatu wassalam, fa kana yastaghfiru Allah wa yatubu ilayh 100 marra fil yawm. Wa fil hadith al-akhar akthar min 70 marra. Le prophète alayhi salatu wassalam, qudwatuna wa mithaluna, notre modèle, notre exemple. Alors qu'Allah Azza wa Jalla lui a pardonné tous ses péchés antérieurs et postérieurs, avec cela le prophète demandait pardon à Allah et se repentait vers lui, na'am, plus de 70 fois dans la journée, et dans une autre version d'un autre hadith, 100 fois. فإذا هذه من عواقب الذنوب فيما يتعلق بدين العبد وكذلك من أعظم هذه العواقب أن الله عز وجل يتخلى عن هذا العبد المذنب إذا أذنب وأذنب وأذنب ولم يتوب. S'il fait des péchés et ne se repent pas, na'am, à force, comme on a dit, si le cœur devient scellé, il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie Allah azza wa jalla. Il oublie la crainte d'Allah. Na'am. Pourquoi? Parce que ça aurait fait longtemps qu'il ne s'est pas rapproché d'Allah. Parce qu'à cause de ses péchés, il s'est, na'am, éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Éloigné de la voie droite, éloigné des alliés d'Allah Azza wa Jal, éloigné des croyants. Yani hatta hadi al-wahsha yajiduha hatta ma al-mu'minin. Quelqu'un qui fait des péchés, lorsqu'il s'écarte du chemin d'Allah, même les gens qui sont proches d'Allah, il ne peut plus rester avec eux. Na'am. Fayabta'idu 'anillah shay'an fa shay'an. Il s'éloigne alors d'Allah Azza wa Jal petit à petit. Na'am. Hatta yajid nafsahu qad nasiya Allah wal ayadu billah, jusqu'à qu'il retrouve sa personne, il a oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hina idhin yansahu Allah bima'na annahu yatrukuhu Allah. Allah azza wa jal, comme lui il a oublié Allah, Allah l'oublie, mais c'est pas dans le sens qu'Allah il oublie Allah, il n'oublie jamais. Walakin jaza, na'am, al jaza min jinsi al amal bima'na annahu yatrukuhu Allah, dans le sens pas qu'Allah l'oublie, mais dans le sens qu'Allah le délaisse et l'abandonne. Nasullaha fa nasiyahum. Nasullah fa nasiyahum. Et après cela, lorsqu'Allah Azza wa Jal le délaisse, wala iyadu billah, il n'y a pas quelque chose de pire que ça pour un être humain, que son Seigneur et son Créateur le délaisse, wala iyadu billah. Ba'da dhalika yunsihi Allah Azza wa Jal nafsa. Après cela, Allah Azza wa Jal lui fait oublier sa propre personne. Et là aussi, il n'y a rien de pire. Si tu t'oublies toi-même et tu ne sais plus c'est quoi le bien et le mal, comment tu veux revenir vers Allah Azza wa Jal? قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, et la récompense, la conséquence de cela, et il les a fait oublier eux-mêmes leur propre personne. وَالْعَدُوُّ بِاللَّهِ فَحِينَ إِذٍ لَا يَعْرِفُ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ. Il ne sait plus après ce qu'est le bien et le mal pour son âme. Yansa nafsa. Wala yadu billah. Na'am, il n'oublie pas son âme pour les choses de cette vie. Tabaran, ça il n'oubliera jamais. Mais sa spiritualité, son cœur, sa place auprès d'Allah, sa religion, na'am, la crainte d'Allah Azza wa Jal, les bonnes choses, tout ça il l'oublie. Et il oublie sa propre âme et il oublie sa propre utilité. Fayansa hadhahu min rahmatillah. Il oublie sa part de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il oublie sa place au paradis. Il oublie toutes ces choses. Na'am. Fayuhmilu nafsahu wa yuhinu nafsahu
وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ. Naam. Il s'avilit lui-même, ça veut dire il se met dans une situation d'avilissement, ça veut dire il est en totale bassesse d'humanité et de spiritualité. كما قال الله عز وجل نعم قد خاب من وقد خاب من دساها نعم a perdu celui qui a نعم dans le sens de celui qui délaisse son âme. فهذه من عواقب الذنوب في الدين, ça c'est dans la religion, et il y en a bien sûr bien d'autres choses qui sont parmi les conséquences des péchés dans la religion. Certaines on les a citées, on va dire en résumé, et on est passé dessus نعم entre parenthèses. وكذلك في قلبه كما قلنا يجد concernant son cœur, parce que le cœur c'est lui on va dire le moteur de la foi. نعم بل مستقر الإيمان هو القلب, même la maison même de la foi c'est le cœur. ففي قلبه يجد كما قلنا الخوف, il va trouver la frayeur et la peur. ويجد الوحشة, et il trouve comme on a dit l'isolement. Il se trouve isolé de tout le monde. C'est-à-dire isolé déjà et délaissé par Allah Azzawajal, ça c'est la pire des choses. Mais délaissé et isolé des croyants et des croyantes et des gens qui sont alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَذَنْبُهُ يُبَعِدُهُ عَنِ اللَّهِ وَيُبَعِدُهُ مِنْ أَوْلِيَا اللَّهِ. Donc son péché va l'isoler et va l'éloigner des serviteurs d'Allah. وَمِنْ أَفْضَلِ عِبَادِ اللَّهِ الْمَلَائِكَ. Les anges qui sont autour de lui, les anges qui le protègent, les gens, etc. Lorsqu'il va commettre des péchés, les anges vont s'éloigner de lui. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala va s'éloigner de lui. Na'am. Fayjidu nafsahu wahdahu al-'iyadu billah. Kullu dhalika min awaqib adh-dhunub. Et là, on n'est pas en train de dire que c'est simplement les grands péchés. Na'am. Même des petits péchés. Même des petits péchés de tous les jours, comme certains disent. Naam, ont ces conséquences-là. Naam, ont ces conséquences-là. Donc là, on n'est pas en train de parler de grandeur ou pas du péché. On est en train de parler du péché tout court. Parce que comme on a dit, un péché, c'est une désobéissance d'Allah Azzawajal. Et toutes ces conséquences, ce n'est pas spécial et spécifique pour les grands péchés. Là, abadan, c'est pour tous les péchés. Sariruhu wa kabiruhu. Naam. Fayajidu kadhalika adh-dhulla fi nafsi. Parmi les choses qu'il va trouver dans son cœur, huwa adh-dhull. C'est-à-dire cette bassesse d'âme. Le fait de se sentir vil. Naam. وهذا الذل وهذا الذل الذي يجده كل من عصى الله يجده وان كان في ظاهره قوي وان كان في ظاهره يعني رفيع. Même si tu vois certaines personnes qui sont plongées dans les choses des bas mondes, tu peux les trouver par exemple naam dans son apparence c'est quelqu'un de fort, dans son apparence c'est quelqu'un qui a un rang social élevé, il a akhirihi. Naam, il est dans des belles voitures, dans des voitures toujours chères. Naam, il a une posture, un rang social chez les gens. Walakin adh-dhulla fi qalbi. Comme a dit Al-Hasan al-Basri, Al-Hasan al-Basri un jour, il disait concernant ces princes et ces amirs et ces gens qui sont plongés dans les choses de ce bas monde et qui sont toujours ornés des choses de ce bas monde. Kana yaqul, naam, il a dit dans le sens de ce qu'il dit, yani ils peuvent avoir leur démarche d'orgueil et être sur leur monture naam et leur parure, walakin dhulla al-ma'siya la yufariqu qulubahum kama qala Hassan al-Basri. La bassesse naam et cette bassesse qu'ils trouvent dans leur cœur naam ne se séparera jamais de leur cœur. La yufariqu qulubahum qala aba Allah illa an yudhilla man 'asa. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi sa sunna fil kawn, parmi sa création, parmi sa sagesse, parmi ce qu'il crée dans cet univers, et parmi sa sunna, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, na'am, toute personne qui lui désobéit, il trouve na'am, cette faiblesse dans son cœur, et il trouve cette bassesse de cœur et spirituellement parlant. فَيَجِدُ نَفْسَهُ ذَلِيلًا وَضَعِيفًا وَإِنْ كَانَ عَزِيزًا عند الناس له مثلا مقام. Même s'il peut avoir un rang social, même s'il peut avoir des richesses, même si les gens min ahli dunya taban, même si les gens parmi les gens de ce bas monde, pas les gens entre guillemets religieux qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala, le relève, mais dans son cœur et spirituellement parlant il se sent bas.
Et ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son cœur, il ne pourra jamais s'en sortir. Naam. فَيَجِدُ نَفْسَهُ ذَلِيلًا وَيَجِدُ نَفْسَهُ حَزِينًا. Même chose, la tristesse. أَلْهَمُ وَالْحَزَنْ يَجِدُهُ فِي قَلْبِ. أَلْهَمُ هُوَ خَوْفُ الْعَاقِبَ. C'est le fait d'avoir peur de ce qui va se passer plus tard. Angoissé. Tu trouves celui qui désobéit à Allah Azzawajal, il est toujours angoissé. Naam. وَالْحَزَنْ وَالْحُزْنْ. Ça dirait aussi la tristesse. L'imafat, aussi tu le trouves toujours triste de ce qui lui est arrivé. Al-ham wal-hazan. Wa kana an-nabi alayhi salam yasta'idu billah min al-ham wal-hazan wa min al-ajz wal-kasal wa min al-bukhl wal-jubn wa min dala' ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Ces choses-là dont le prophète salam demandait à Allah azza wa jalla protection contre ces choses, toutes ces choses tu les trouves où? Tu le trouves dans les péchés. Naam, qu'on a parlé de la paresse et de l'incapacité, kadhalik là la tristesse et l'angoisse. Tu trouves les gens. Pourquoi la plupart des gens qui se suicident, alayhadou billah, c'est des gens qui sont loin d'Allah azawajal. Ce n'est pas pour rien. Yani dans les sociétés qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, surtout dans les sociétés qui sont sociétés mondaines, futiles. Naam, des gens qui sont loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout, et généralement, c'est des gens qui ne sont pas musulmans. Alhamdulillah, ce n'est pas des musulmans qui se suicident, pour la plupart. Naam. Et les gens qui sont non musulmans, pourquoi beaucoup d'entre eux, tu trouves celui qui se suicide, yaqtulu nafsahu, c'est un milliardaire. C'est quelqu'un qui a toutes les choses de ce bas monde. C'était quelqu'un qui était qui était célèbre. Et tu le trouves, c'est lui le premier à sortir de cette vie. Parce qu'en réalité, même si toutes les gens et toutes les personnes qui le voient dans les parures de ce bas monde et dans son apparence, ils pensent que c'est la personne la plus heureuse du monde. Qui est dans le plus grand bonheur qui existe. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'ont pas goûté à son bonheur. Qui est un semblant de bonheur. Parce que ce bonheur, le véritable bonheur, tu le trouves en qui? Tu le trouves en Allah Azza wa Jal. Al-Abd, Al-Makhlouq, Naqis, la créature, la création d'Allah Azza wa Jal, quelle qu'elle soit, Naam, elle a des défauts. Elle est imparfaite. La créature est imparfaite. Wal-Khaliq, et le créateur, c'est lui le parfait. Fal-Makhlouq, Lan, يَجِدَ سَعَادَتَهُ وَلَنْ يَجِدَ كَمَالَهُ إِلَّا فِي الْكَامِلِ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَلَنْ يَجِدَ سَعَادَتَهُ وَلَنْ يَجِدَ طُمَأْنِينَتَهُ وَلَا سَكِينَتَهُ إِلَّا فِي اللَّهِ وَإِلَّا بِاللَّهِ. La créature, comme elle est imparfaite, elle ne trouvera son bonheur que dans le parfait. Et la perfection dans cette vie, tu la trouves qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tu la trouves qu'en Allah. Donc si tu cherches le bonheur autre qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne le trouveras pas. Et en réalité, lorsqu'on observe la société et on observe les êtres humains, tout être humain cherche son bonheur. Quelqu'un qui ne cherche pas son bonheur, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Yani, ça fait partie de la nature de l'être humain, et même, je dirais même, de la créature, qu'il cherche son bonheur. Et tous les êtres humains, ils cherchent leur bonheur. Sauf que, malheureusement, la majorité des êtres humains, ils cherchent leur bonheur dans un... où le bonheur n'existe pas. Certains, ils vont chercher dans l'argent, certains dans les femmes, certains dans le pouvoir, certains dans la célébrité, certains dans la notoriété, certains dans ci, certains dans ça, certains dans la musique. Alors que le bonheur, il est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِ يَقُولْ أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُذِلَّ مَنْ عَصَاهُ. Naam, tu trouves cette bassesse et cette faiblesse dans son cœur et cette angoisse et cette tristesse alors que les gens te pensent être le plus heureux du monde. Pourquoi? À cause du péché. À cause du péché et à cause de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama qala Ibrahim ibn Adham wa huwa min as-salaf as-salih wa min az-zuhad. Zuhad hadhihi al-umma, parmi les grands ascètes de cette communauté Ibrahim. Naam, Ibn Adham kana yaqul ويتكلم عن هؤلاء الأمراء والملوك الذين يعني هم يعني في معصية الله وفي الدنيا وزخارف الدنيا, qui sont plongés dans les choses de cette vie éphémère. Et souvent, généralement, quand tu es comme ça, tu tombes dans beaucoup de péchés. Il disait: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لجلدونا عليه بالسيوف. Il disait, si au moins les rois et les fils des rois savaient
dans quel bonheur nous nous trouvons. C'est-à-dire les gens qui sont proches d'Allah, les gens qui sont dans la spiritualité, les gens qui ont délaissé les choses de ce bas monde, ils nous frapperaient avec des sabres et ils nous fouetteraient pour récupérer cela de nous. Parce qu'ils cherchent le bonheur, ceux qui le cherchent dans un endroit qui n'est pas le bon. فهذه من الأمور التي تتعلق بما يصيب العبد في قلبه نعم وكذلك نعم الجبن والبول هذا تكلمنا الجبن نعم le fait d'être peureux on en a parlé نعم le fait d'avoir cette peur et cette angoisse et cette frayeur dans le cœur طيب كذلك ليعلم il faut savoir une chose en réalité et c'est quelque chose que toute personne qui est tombée dans les péchés le sait أن الإنسان الذي يذنب لله يكون في أسر. Il se trouve emprisonné. Emprisonné en réalité par qui? Par Shaytan. فالشهوات والذنوب, les péchés et surtout les péchés يعني charnels et les choses qui ont rapport avec الشهوة, avec la passion, نعم, c'est comme une prison. Et pour que le serviteur musulman qui désobéisse à Allah Azza wa Jal ou quelqu'un qui est loin d'Allah, pour qu'il puisse sortir de cette prison, quelquefois c'est très difficile. Mais en réalité, cette difficulté-là, ce n'est pas une réelle difficulté. Mais la plupart du temps, c'est parce que Shaytan, Adou Allah, الذي أقسم بعزة الله أن يغوي بني آدم وبني آدم, celui qui a juré par la puissance d'Allah et la puissance divine d'égarer le maximum d'êtres humains. Comme Allah Azza wa Jalla, وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et son jurement, ce qu'il a juré Iblis, عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ, de ce qu'il allait faire et l'engagement qu'il s'est donné à lui-même, il l'a appliqué réellement. Comme Allah Azza wa Jalla dit, certes, il a dit la vérité. Et que la majorité des êtres humains et des djinns se sont écartés du chemin d'Allah Azza wa Jalla. Fa iblis alayhi la'natullah min asalibihi na'am wa min makaidihi annahu yuzayyin al-ma'asi, c'est qu'il embellit parmi ses ruses maléfiques, c'est qu'il embellit les péchés. Il embellit les péchés avant de tomber dans le péché. Il embellit les péchés, il te dit voilà, il te fait croire que cette chose-là, ce péché-là, c'est trop difficile pour toi de ne pas le faire. Alors qu'en réalité c'est simple, mais parce qu'il te l'embellit ce péché là avant de le commettre, t'as l'impression que c'est une chose qui est impossible à ne pas faire, à s'en écarter. Et lorsque tu tombes dans le péché et que tu vois en réalité que c'était une ruse de Shaytan, wa Shaytan yatakhalla ank, à ce moment là Shaytan lui il s'enfuit, il te laisse fi hasrat, fi al-hasra wa fi al-nadam, et il te laisse dans tes regrets et dans tes soupirs ila akhirih, après qu'il t'ait fait tomber. À ce moment-là, les gens ils sont deux catégories. Celui qui va se repentir vers Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah, qui va réussir à trouver dans son cœur la force et le courage, parce qu'il en faut du courage, shaja'a, pour sortir du péché et sortir de cet état d'avilissement et de revenir vers le chemin d'Allah, hada alhamdulillah. Mais celui qui continue à écouter les murmures de Shaytan, wa sawisu Shaytan, Shaytan, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui fait admettre dans son cœur qu'il est trop faible et qu'il n'arrivera jamais à sortir des péchés. C'est-à-dire parmi ses ruses, il lui fait, dans son cœur, il lui fait comprendre en réalité, il lui dit, écoute, toi t'es tombé dans ce péché, alors que t'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de prières, qui était proche d'Allah Azza wa Jalla, t'es tombé dedans, tu penses qu'un autre jour t'arriveras à, au moment où je vais te murmurer encore le péché, tu retomberas plus dans ce péché. Tu n'arriveras jamais à délaisser ce péché. Alors ça ne sert à rien de te repentir. Hakada yaqul. Naam. Hakada yaqul ash-shaytan. Min makaidi. Wa taban, lui, il a une expérience de millénaires d'années. Il y a des millénaires derrière lui d'expériences maléfiques. Wal mu'minu qawiyyun billah. Mais le croyant, il est fort en Allah subhanahu wa ta'ala. Il est fort en Allah. Allah Azza, qu'est-ce qu'il a dit Shaytan? Il n'est de Shaytan, il kana da'if. La ruse de Shaytan, elle est faible. Même s'il a des millénaires d'expérience, mais la ruse de Shaytan, elle est faible. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas basée sur Allah. Alors que la ruse du croyant, elle est basée sur Allah. Ya'tamidu 'ala Allah, yatawakkalu 'ala Allah, wa lillahi al-'izza. Et Allah Azza, c'est lui qui a toute la puissance.
Donc surtout ne pas se faire avoir par les ruses de Shaitan et les embellissements du péché en lui faisant croire qu'il n'arrivera jamais à sortir de ses péchés. Naam. Bi'idnillah, le péché ce n'est pas quelque chose de difficile de s'en écarter ou d'en sortir. Mais il faut du courage. Et il faut placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Min athar il ma'asi allati tata'allaqu bid dunya. Inch'Allah, on va essayer de résumer le plus possible pour pas, inch'Allah, être trop long. Je m'excuse dès maintenant, inch'Allah, de la longueur de la conférence. Après qu'on a parlé des choses de la religion et spirituelle, parlant qui sont les choses les plus importantes en réalité. Fadhdunub laha uqubat dunyawiyya ma'roufa wa ma'louma. C'est-à-dire que les péchés, ils ont aussi des conséquences néfastes, malheureusement, dans cette vie. Dans cette vie. C'est-à-dire dans la vie matérielle de la personne et dans la vie sociale même de la personne. فَمِنْ عَوَاقِبِ الذُّنُوبِ الْوَخِيمَ أَنْ يَعْنِي حِرْمَانَ الرِّسْقِ حِرْمَانَ الرِّسْقِ. Déjà, la subsistance, l'argent, les choses matérielles que tu peux avoir dans cette vie, lorsque tu fais un péché, Allah subhanahu wa ta'ala peut te priver de choses de ce bas monde. Naam. كَمَا جَا فِي الْحَدِيثِ إِنَ الْعَبْدَ لَا يُحْرَمُ الرِّسْقِ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ. Par un péché qu'il touche et qu'il lui atteint, il est privé de certaines choses matérielles, par exemple d'argent, choses matérielles, ou كَذَلِكْ مِنَ الْوَلَدِ, ou alors d'enfants, ou de ce genre de choses. Ça fait partie des conséquences néfastes des péchés. وَكَذَلِكْ يُحْرَمُ الْعَقْلِ. C'est pour ça que tu vois la raison, la bonne raison, le fait d'être quelqu'un de aqil, fahim, d'être quelqu'un d'intelligent, d'avoir, d'être doté d'intelligence, tout cela, plus tu commets des péchés, plus tu perds cette intelligence-là. ولذلك, Allah subhanahu wa ta'ala, حينما يذكر بعض الأحيان في القرآن بعض المعاصي أو بعض سبل الشيطان, lorsqu'il cite, par exemple, quelquefois dans le Coran, Allah Azza wa Jalla des péchés ou certains chemins de Shaitan, qu'est-ce qu'il dit ? لعلكم تعقلون. Regardez dans le verset, قل إنما حر لا في آخر سورة الأنعام نعم قل تعالوا إلى ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا نعم نعم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إلى آخر الآية قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Lorsque الله عز وجل il a parlé de الفواحش, lorsqu'il a parlé des turpitudes, lorsqu'il a parlé des choses, des péchés qui ont un rapport avec les turpitudes et le fawahish, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit la'allakum ta'qilun. لأن العقل نعم يمنع العبد من المعصية ومن الفاحشة. ولذلك سمي العقل عقلا. Pourquoi l'aql dans la langue arabe il a été appelé aqlan ? Parce que l'aql, yani dans la langue arabe, c'est le fait de c'est-à-dire d'emprisonner quelque chose, d'arrêter quelque chose. Voilà l'aql fi lughati al-arab. Wa kadhalika summiya limadha li anna al-aql ya yani yahbisu an-nafs 'an shahawatiha. L'aql, la raison, c'est la chose dans l'être humain qui va lui permettre, qui va être la cause de lui empêcher de faire des péchés, surtout quand c'est des péchés comme on a dit qui sont des fawahish, c'est-à-dire des turpitudes, des choses qui ont rapport avec les désirs charnels et des choses qui sont yani allati yani hiya fahisha fi a'yun an-nas umuman na'am wa kadhalik summi al-'aql samahu Allah 'azza wa jalla al-'aql an-nuha fa qala inna fi dhalika la ayatin li ulil nuha limadha an-nuha li anna an-nuha bi ma'na al-'aql annahu yanha al-'abd na'am 'an al-ma'asi wa 'an al-fawahish. Parce que même chose, la raison, la bonne raison, la bonne morale va empêcher et va interdire aux serviteurs d'Allah Azzawajal de commettre des turpitudes. وَسَمَّاهُ حِجْرًا فَقَالُ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الَّذِي حِجْرٍ. نفس الشيء. الحجر c'est quoi? الحجر c'est comme une barrière. نعم. كما قال الله عز وجل جعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. Une barrière entre les deux mers. Donc le hijr, parce que la raison, parce que l'aql, parce que la morale, c'est une barrière entre les mauvaises choses, entre les turpitudes et entre l'être humain. Yafqidu aqlahu wa yafqidu dhaka'ahu. Naam. Wa kadhalik yafqidu
المعاصي من أسباب حرمان العلم من أسباب حرمان العلم la science, le savoir, quel que soit ce savoir, mais surtout le savoir religieux et dans la religion. نعم هذا العلم الذي يصيب الذنوب يحرم من هذا. نعم لأن العلم نور, parce que la science c'est une lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un cadeau et une lumière. وكما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي وكيع وشيخه يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Il a dit je me suis plaint à Waki, à son cheikh, سوء حفظي, la mauvaise, c'est-à-dire ma mauvaise mémorisation des choses. فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاسِي. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a guidé vers quoi? Vers le fait de m'écarter et de délaisser les péchés. وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ. Il m'a informé que la science est une lumière. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاسِي. La lumière d'Allah Azzawajal n'est pas donnée à un pécheur. نعم. وَالْإِمَامُ مَالِكُ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ حِينَمَا رَأَى الشَّافِعِيَّ وَهُوَ صَغِيرٌ كَانَ شَابًا صَغِيرًا فِي السِّنِّ. نعم. حينما أقبل عليه في المدينة لما رآه مالك ومالك كان ذو فراسة فحينما رآه قال أرى نعم أرى قد جعل الله فيك نورا فلا تطفئه بالمعاصي وبالمعصية. Il a dit l'imam Malik lorsqu'il a vu l'imam Shafi'i qui était encore un jeune, نعم, un jeune adolescent, lorsqu'il est arrivé à Médine étudier Al-Muwatta avec l'imam Malik et l'apprendre, l'imam Malik qui était doté de ce qu'on appelle Al-Firasa, Firasa, c'est-à-dire le fait de deviner des choses. Firasa, ça vient de la foi. Firasa al-mu'min. La tourté. L'imam Malik, il était connu pour cela. Lorsqu'il a vu l'imam Shafi'i, il a dit, je vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi une lumière. N'éteins pas cette lumière par les péchés. Naam. Et ça, c'était, subhanallah, un conseil précieux que l'imam Malik a donné à l'imam Shafi'i. Et après ce qu'est devenu l'imam Shafi'i pour la Umma et dans la science et dans le savoir et dans la foi ila akhirihi, na'am, ma huwa ma'loum. Fal'ilm yuhramuhu, yani al-abdu, yani al-asi yuhramu al-ilm. Wa kadhalik nuqsanu al-umur, aussi la durée de vie. Ba'd al-ulama qalu anna al-ma'asi sabab fi nuqsani umur al-abd. Certains savants ont dit que les péchés sont une cause pour que la durée de vie se diminue. La durée de vie diminue à cause des péchés. وقد يكون كما جاءت في بعض الحديث أن صلة الرحم مثلا, que le fait de lier les liens de parenté من أسباب الزيادة في العمر, ça fait partie des causes de l'allongement de vie. فليس على الله بعزيز, ce n'est pas difficile pour Allah عز وجل que Allah عز وجل ait mis les péchés comme cause de raccourcir la durée de vie. والعمر الإنسان للمؤمن نعمة. Faut pas oublier que la durée de vie pour le croyant et pour le musulman c'est un bienfait. Pourquoi? لأنه يستزيد من الطاعات. Parce que plus il reste du temps dans cette vie, plus inshallah pour le croyant et le musulman il va multiplier les bonnes œuvres. Alors pour le non musulman et le mécréant c'est l'inverse. Sa durée de vie pour lui c'est une نقمة, c'est une punition. لأنه يستزيد من الإثم, parce qu'il va multiplier les péchés. وقال بعض العلماء نقصان العمر الذي سببه الذنوب هو محق بركة العمر. Mais certains savants, ils ont dit, lorsqu'on dit que la durée de vie elle est limitée, elle est diminuée par les péchés, ce n'est pas quelque chose de dans le sens en tant que durée de vie, mais c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il enlève la bénédiction du temps et il enlève la bénédiction de cette durée de vie qui était déjà prédestiné pour ce serviteur. À cause de quoi? À cause des péchés. وَهَذَا مُشَهَدٌ وَمَعْلُومٌ. Et ça, c'est quelque chose qui est connu et qu'on peut voir, na'am, dans, en réalité. Première des choses, lorsque tu commets des péchés, bah, dans le temps que tu commets des péchés, tu ne fais pas de bonne action. فَأَنْتَ يَعْنِي مَشْغُولٌ بِمَعَصِ اللَّهِ. Tu es déjà occupé à faire des mauvaises actions. Donc déjà, ce temps-là, même si tu te repentis vers Allah Azza wa Jal quelques heures plus tard, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, ce temps-là que tu as passé dans les mauvaises actions, tu ne l'as pas passé dans les bonnes actions. Donc déjà, ta durée de vie, elle a été diminuée. Mais ce n'est pas en tant que vie réellement, mais c'est en tant que vie, de bonne vie, qui est la vie spirituelle et le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala, il a été coupé.
Tu t'es détourné du chemin d'Allah Azzawajal. Donc tant que tu ne reviens pas vers le chemin d'Allah, tout ce temps, tu le perds. Tout ce temps, tu le perds. Hein? Et même pour plus tard, surtout pour quelqu'un qui ne se repent pas de ce péché, pour celui qui ne se repent pas de ce péché, ces péchés-là peuvent être, comme on a dit, une conséquence que, c'est-à-dire que ça va être, sa durée de vie, il n'y aura plus cette baraka, il n'y aura plus cette bénédiction dans le temps. Tu vois quelqu'un qui est quelqu'un qui craint Allah, subhanahu wa ta'ala, par exemple un savant qui est proche d'Allah, azawajal, qui est un rapproché d'Allah, tu vois qu'Allah azawajal, il a mis la baraka fi waqtihi, il a mis la bénédiction dans son temps. Tu le vois du matin au soir, il est dans les livres, du matin au soir, s'il n'est pas dans les kutub, en train d'étudier la science religieuse et être utile pour les gens, fahuwa fi dhikr, il est en train de glorifier Allah. S'il n'est pas en train de glorifier Allah, yusalli, s'il ne fait pas des prières, yasoum, wakada. وَتَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ وَقَدْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَيُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ تَجِدُهُ بَيْنَ الصَّلَوَاتِ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا. Tu vois certaines personnes, il ne fait rien. حقيقة. Tu le vois quelquefois dans la mosquée, entre deux prières, يعني, il ne fait rien. لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الدِّينِ. Au moins, occupe-toi même par des choses de cette vie. Comme ça, Inch'Allah, quand tu seras fini, tu auras du temps pour adorer Allah Azzawajal. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Mais certains, ni il fait des choses dans le dunya, ni dans le din, il ne fait rien. وَهَذَا مِنْ مَحْقِ الْبَرَكَ. Et ça fait partie du fait qu'Allah Azzawajal, il enlève la bénédiction du temps de la personne. Et après, il dit, Allah Ghalib, il n'y a pas de temps. Le temps, il passe vite. مِنْ عَلَمَتْ سَعَاهُ إِلَى أَخِرِهِ. Ce petit dessin de la fin des temps. Mais en réalité, lorsque tu cherches, en réalité, si tu l'examines, ou quelqu'un examinerait, ou lui-même il examinerait son temps, il verrait en fait qu'il a beaucoup de temps libre. Mais il ne s'en rend pas compte. Pourquoi il ne s'en rend pas compte? Parce qu'Allah Azzawajal n'a pas mis la bénédiction dans son temps. Celui qu'Allah Azzawajal a mis la bénédiction dans son temps, il compte ses minutes et même ses secondes pour les utiliser dans ta'atullah, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ma indahu waqt farigh. Il n'y a pas de temps le waqt farigh, il n'a pas de temps libre. Le musulman, le croyant, celui qui craint Allah Azzawajal, il n'a pas de temps libre, ça n'existe pas. Ou alors tu le vois en train de faire des tasbih. Ou alors tu le vois en train de réciter le Coran, ou alors tu le vois en train d'aider les gens, ou alors tu le vois en train d'étudier, ou alors tu le vois en train, quelquefois, de discuter avec son épouse, avec ses enfants, parce qu'il faut donner du temps. Mais dans tous les cas, il fait quelque chose qui lui est utile, ou alors qui est un devoir de la vie de tous les jours. Mais dans tous les cas, il ne perd pas son temps. Et ça, c'est très très important. Et plus tu fais des péchés, plus tu oublies cela, en fait, parce que tu oublies le rappel d'Allah. Et donc, les choses qui te sont utiles, tu les oublies. Naam. Et les choses qui te paraissaient avant de faire des péchés, de la perte de temps, devient pour toi une habitude. Et ça, c'est très très grave. Lorsque les péchés deviennent une habitude, naam, khalas. Et ça fait aussi partie, on a oublié, ça fait partie aussi des conséquences des péchés. Plus la personne commet des péchés, plus ça devient une habitude. Et lorsque ça devient une aad, pourquoi ça devient difficile de se repentir après? Parce que la personne, elle ressent même pas qu'elle a fait du mal. Là, c'est grave. C'est-à-dire, le péché, après, pour lui, dans son cœur, il ne sent même plus que c'est un péché. C'est devenu une habitude. Jusqu'à quelqu'un, il faut qu'il lui dise, ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Il dit, ah, subhanallah, j'avais oublié. Pourquoi j'avais oublié que c'était un péché? Parce que c'est devenu une habitude. Wala iyadu billah. Et ça montre la maladie du cœur. Et ça montre le rafla, ça montre la personne, elle est insouciante, ça montre le personne, son cœur, il est insouciant au rappel d'Allah Azzawajal. Naam. Inch'Allah, on va essayer, Inch'Allah, de finir, bi'idnillah, en quelques minutes, pour que ce soit pas trop long, Inch'Allah Azzawajal, et surtout pour que vous sortiez, Inch'Allah, avec quelque chose, un résumé, et des choses essentielles, Inch'Allah, de pas natasha'ab kathiran. On va essayer de finir, Inch'Allah, parmi les choses, les conséquences des péchés dans le rang social. C'est-à-dire que, et dans la vie de tous les jours, mais pas en lui-même, mais avec les gens. Celui qui commet des péchés, sans parler de son rang et de son statut qu'il a auprès d'Allah, يَسْقُطُ فِي عَيْنِ اللَّهِ. Lorsqu'il commet un péché, le musulman, taban, il descend en degré. Naam. Il descend en rang auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. هَذَا لَا يَجْهُلُهُ أَحَدْ وَلَكِنْ حَتَّى عِنْدَ النَّاسِ. Mais même chez les gens. فَالَّذِي يُسِرُّ عَلَى الذَّنْبِ حَتَّى أَنَّهُ يَكُونُ مَعْرُوفًا بِالذُّنُوبِ وَلَيْدُ بِاللَّهِ. Celui qui n'arrive plus à se sortir des péchés, emprisonné par les passions, qui n'arrive plus à s'en sortir, jusqu'à que ça devient pour lui une habitude, et jusqu'à وَلَيْدُ بِاللَّهِ,
qu'il devient connu pour ce genre de péché, à ce moment-là, même socialement, les gens, ils n'appellent plus de la même façon. Il était appelé mu'min, il était appelé bar, il était appelé na'am, il était appelé muhsin, il était appelé un bienfaisant, il était appelé un croyant. On l'appelait na'am kana yusamma waliyun min awliya illah, waliyullah. On l'appelait par ces noms-là. Et après cela, et après qu'il est tombé dans les péchés, les gens l'appellent plus que par al-fajir, que par al-mudnib, que par al-asi, que par al-zani al-sariq ila akhirih. Donc même le fait, ton appellation elle change. Pour celui qui a commis un péché, son appellation auprès des gens peut changer. Na'am. Wa ma shahid al-muslimuna bi shay'in fahuwa indallahi kama shahid al-muslimuna alayh. Est-ce que les musulmans y témoignent lorsqu'ils disent qu'une personne, par exemple, c'est quelqu'un qui est détourné du chemin d'Allah, c'est quelqu'un qui commet des mauvaises actions, lorsqu'ils le citent, ils le citent en mal. Et ils disent, nas'Allah as-salamata wa al-afiya. Il faut savoir que si ce que les musulmans, de ce que les musulmans témoignent dans cette vie, c'est ce qui est la réalité auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa al-aks ou bil-aks. Lorsque quelqu'un il est cité, on appelle dhikr al-hasan, lorsqu'il est cité toujours en bien par les gens l'aiment. Même s'ils ne le connaissent pas, les gens l'aiment. Lorsque son nom il est cité, les gens ils disent hafidahullah. Les gens ils disent akramahullah. Les gens ils disent rahimahullah. Ça veut dire que bi'idnillah, le rang de cette personne auprès d'Allah, il est élevé. Donc la place auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ce qui montre la place d'Allah auprès d'Allah azawajal, c'est la place auprès des gens, wa dhikr al-hasana wa al-qabih. C'est-à-dire comment tu es cité auprès des gens, que ce soit en bien ou en mal. Les gens, les êtres humains qui sont les qui sont cités le plus en bien, c'est qui? C'est les prophètes, al-anbiya. Inna akhlasnahum bi khalisatin dhikr ad-dar. Wa yusamma bi dhikr al-hasan wa lisan as-sidq. Lorsqu'Allah azza wa jalla a cité dans le Coran lisan as-sidq, Ibrahim qui dit wa ja'al li lisan as-sidq fil akhirin. Lisan as-sidq wa hadha. C'est que les gens plus tard, de leur progéniture, de leur descendance, l'humanité va les citer en bien. Wa fi'lan, lorsque tu vois les messagers d'Allah, les prophètes d'Allah, que ce soit Ibrahim alayhi salam, qui cite Abraham, yani de l'humanité entière, même les non-musulmans, même les gens qui ne sont ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, qui cite Abraham, Ibrahim alayhi salam, hadha an-nabi al-karim, khalilullah, d'une mauvaise façon. Sauf quelqu'un qui, yani tout le monde sait qu'il est en train de mentir. Personne. لأن الله عز وجل جعل له لسان الصدق في الآخرين. نعم وذكر الدار. Il lui a donné, Allah عز وجل lui a donné et à ses frères parmi les et ses fils parmi les prophètes et les vertueux, نعم لسان الصدق, c'est-à-dire des éloges. نعم et ils sont toujours cités en bien. Moussa عليه السلام, Moïse, وآدم. Pourquoi ils ne seront jamais cités en mal? Parce qu'Allah subhanahu, parce que c'était des gens vertueux qui obéissaient à Allah عز وجل. Et le serviteur croyant, plus il va ressembler au prophète, Naam, plus il va être cité en bien, plus il va être, il n'y aura que des éloges, et donc son rang auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sera élevé. Naam, wa al-aks ou bil-aks. Et l'inverse. Maintenant, lorsqu'on cite Abu Lahab ou Abu Jahl, tout le monde en cœur, on dit la'natullahi alayhi, zahulala. Li'annahu asa Allah, wa li'annahu takabbara ala Allah, wa li'annahu aada al-rasul alayhi salatu wa salam. À son vivant, c'était le chef de Quraysh, Abu Jahl. Ou parmi les chefs de Quraysh. Et Abu Lahab, même chose. En son vivant, ils avaient des alliés. En son vivant, ils étaient épaulés. Mais après leur mort, tous les musulmans, na'am, lorsqu'on dit Abu Lahab, on dit la'anatullah alayh. Et on récite la sourate, tous les musulmans, le petit, le grand, tabbat yada abi lahab wa tab, subhanallah. Hada yadul ala anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yakun liyaj'al ذكر الذكر يعني ذكر المؤمن في الدنيا كذكر الكافر وكذكر عدو الله ولم يكن ليجعل ولي الله مثل عدو الله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون سواء في الدنيا أو في الآخرة أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
C'est Allah Azzawajal qui l'a dit. Est-ce qu'on pensait ceux qui commettent des mauvaises actions et qui aiment les mauvaises actions ilakhiri, qu'on va les mettre dans la même place, dans le même rang, que ce soit auprès d'Allah, dans l'au-delà, ou que ce soit dans cette vie, avec les ceux qui font des bonnes actions et qui croient en Allah Azzawajal. Sawa'an mahyahum, dans leur vie, wa mamatuhum, et dans leur mort et après leur mort. Sa'a ma yahkumun. Quelle mauvaise pensée qu'ils ont eue. Allah Azzawajal huwa al-adl. Ça fait partie de la justice d'Allah Azzawajal et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. De faire goûter aux pécheurs et à celui qui a renié Allah Azzawajal, qui s'est détourné d'Allah Azzawajal, son châtiment dans cette vie avant l'au-delà. Même si c'est peut-être pas un châtiment corporel et un châtiment comme celui du châtiment de l'enfer, mais déjà dans cette vie, toutes ces conséquences des péchés qu'on a cités, il le trouve. Wa la iyadu billah wa akhir shay inshaAllah nadhkur. Parmi les dernières choses qu'on cite, inshaAllah, anna al-ma'siya na'am tuzilu an-ni'am wa tastajlibu an-niqam. Le péché et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala fait partir les bienfaits. Tu avais des bienfaits, quel que soit ce bienfait dans cette vie ou dans l'au-delà, ou dans ta religion, ou dans les choses matérielles, les péchés vont les faire partir. Et les punitions et les malheurs vont te venir. Comme a dit Allah Azza wa Jalla, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Ce qui vous touche de masaib, de malheur, de catastrophe, بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. C'est parce que ce que vous avez fait, ce que vous avez fait par vos mains, ce que vous avez, c'est-à-dire fait de péché, de mauvaises actions, c'est ça qui a fait ces malheurs, ces catastrophes. Quand les gens lui disent, oui, il y a des cancers, il y a des ci, il y a des maladies, il y a des séismes, ila akhirihi. Taïb. Et malheureusement, beaucoup de gens, de non-musulmans, ils prennent cela comme cause en disant, Dieu il n'existe pas, parce que si Dieu il existait, il n'y aurait pas de malheur, de cancer, ila akhirihi. Allahu Akbar. Allahu Adl. Allah il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a créé ces malheurs et ces catastrophes, c'est par les péchés des gens. Naam, bisabab al-dunub wa bisabab al-ma'asi. Wa li ghayri dhalika min al-hikam, et pour d'autres sagesses. Naam. Wa li dhalika qala al-sha'ir qala idha kunta fi ni'matin far'aha fa inna al-ma'asi tuzilu an-ni'am. Naam. Wa hudha bi ta'ati rabbil ibad fa rabbul ibad sari'u an-niqam. Donc surtout quand tu te trouves dans des bienfaits, remercie Allah Azza wa Jalla. Comment tu remercies Allah? Par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pas simplement en disant alhamdoulillah, mais en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu désobéis à Allah Azza wa Jalla, fa huwa kufranun ni'ma. Lorsque tu désobéis à Allah Azza wa Jalla, la désobéissance, il n'y a rien de pire pour renier le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux remercier le bienfait d'Allah, obéis à Allah Azza wa Jalla. Fa yaziduka Allah min an-ni'am. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. نعم فالجزاء من جنس العمل. نعم. وأخيرا فيما يتعلق بهذا يعني cette place sociale entre les gens et dans la société, حينما يذنب العبد الله عز وجل يتجرأ بعض المخلوقات عليه مما لم يكن يتجرأ عليه قبل المعصية. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un il fait une désobéissance, il n'a pas eu cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, la crainte d'Allah azza wa jalla, lorsque quelqu'un il craint Allah, il ne craint qu'Allah, les gens vont le craindre. Hada ma'rouf hada wa mujarrab. Quelqu'un qui craint Allah, plus quelqu'un craint Allah azza wa jalla lui seul, plus les créatures vont le craindre. Pourquoi les gens lorsqu'ils étaient devant l'imam Malik alayhi rahmatullah, Abu Yusuf al-Qadi, c'est l'élève d'Abu Hanifa, c'était le plus grand juge de l'époque. Na'am, il disait lorsque il a dit jalastu bayna yaday Malik ibn Anas rahimahullah. Fa na'am qala jalastu bayna yaday al-Hadi wal-Mahdi wal-Rashid. Les trois grands califes de l'époque, parmi les plus grands califes qui ont existé dans l'Empire musulman et dans l'histoire de l'Islam. Haroun al-Rashid, il est connu. Haroun al-Rashid, qui avait donné en cadeau une montre à Charlemagne. Charlemagne, lorsqu'il a reçu ce cadeau, cette montre, une montre, il a dit « Hada sihr al-Arab ». Il a dit « Ça, c'est la magie des Arabes ». Parce qu'ils ne connaissaient pas en Europe encore ce genre de choses. Ils n'étaient pas arrivés à ce que les musulmans étaient arrivés à l'époque. Haroun al-Rashid,
Abu Yusuf, il dit, je me suis assis devant lui. Il dit, فَمَا وَجَدْتُ الْهَيْبَةَ الَّتِي وَجَدْتُهَا أَمَمْ مَالِكِ. Il a dit, je n'ai pas trouvé la peur et la crainte que j'ai trouvée lorsque j'étais devant l'imam Malik, alayhi rahmatullah. Naam. Et l'imam Malik, il n'avait pas d'armes. L'imam Malik, il n'avait pas d'armée et il n'avait rien avec lui. Pourquoi ? قال بعض طلاب الإمام مالك فما كنا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. Certains parmi ses élèves à l'imam Malik disaient, et on ne savait cela, et on ne ressentait cela, et on savait qu'obligatoirement c'était par quelque chose qu'il y avait entre Malik et entre Allah. C'est-à-dire une crainte, et le fait qu'il soit proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens avaient peur de lui. Et lorsque tu délaisses cette crainte d'Allah azawajal et tu tombes dans le péché, فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَعَمْ يُسَلِّطُ عَلَيْكِ بَعْدَ الْمَخْلُقَاتِ. Ça veut dire des créatures qui n'osaient pas avant t'attaquer ou te faire du mal, نعم, après que tu t'éloignes du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils osent. Et c'est pour ça que lorsque tu vois des gens qui sont attaqués par les shayatines, ou par des djinns ou ce genre de choses, c'est des gens qui sont écartés du chemin d'Allah. Généralement, lorsqu'un djinn il rentre dans le corps de quelqu'un, c'est un moment où cette personne-là ne faisait pas le rappel d'Allah azawajal. Ou alors il se trouvait dans un endroit qui est un endroit de shayatine ou un endroit d'impureté ou ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi kanafillah, wa fi hifdillah azawajal, tu es protégé. Tu es protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. يتجرع عليك المخلوقات, même parmi des hommes, parmi des gens que tu connais, نعم, le comportement il change avec toi. Ta propre épouse, tes propres enfants, même ta voiture, نعم, ils peuvent changer avec toi. Tu sors de chez toi, tu veux la voiture, elle marche pas. Pourquoi ? Parce que tu as eu un péché juste avant. Ba'd as-salaf, il disait un jour, il est sorti de chez lui pour le Jumu'ah, la prière de Jumu'ah, il montait sur sa monture, il voit sa monture et commence à elle lui obéit pas. Hein? Il a dit, je sais pourquoi ça m'est arrivé. C'est parce que j'ai pas fait le rousse de le Jumu'ah. Il s'était pas lavé pour la prière du vendredi. Il avait délaissé de ses sunnah. Il a dit, j'ai retrouvé ça dans ma monture. Hein? Parce que c'était des gens qui avaient le cœur vivant. Ils reconnaissaient leurs péchés et retrouvaient les traces de leurs péchés tout de suite pour qu'ils se repentent. Mais nous, maintenant, on reconnaît pas ça. Hein? On se dit, c'est faux. C'est pas ça qui va être la conséquence. Hein? C'est ça qui est la conséquence. Le comportement de ta femme, de tes enfants, ça peut être à cause de tes péchés. Nas'alallah salamata wa al-afiya. On s'arrête là, inshallah. On espère, inshallah, azawajal, qu'on a cité un maximum de choses ou en tout cas des choses qui ont été utiles sur ce sujet qui est si important. Naam, qui est si important, surtout dans la fin de ce mois du Ramadan. On va sortir de ce mois du Ramadan alors que ce mois de Ramadan était pour nous une école, était pour nous une éducation pour dans la crainte d'Allah et de s'écarter des péchés. À nous encore après le mois du Ramadan, en se rappelant toutes ces mauvaises conséquences, yani min hadhihi sayi'ah allati ma summiyat sayi'ah illa li annaha tasu'u fi ad-dunya tasu'u li sahibiha ya fi ad-dunya wal akhirah. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala an yahfadhana min ash-shaytanir rajim. Allahumma ihfadhna min ash-shaytanir rajim. Allahumma ihsimna min ash-shaytanir rajim. Allahumma ihsimna min makayidihi waj'alna واجعل لنا التبصرة والفرقان في ديننا اللهم اجعلنا نبصر في ديننا ونعرف الخير من الشر ونعرف الحق من الباطل اللهم أعنا اللهم أعنا اللهم أعنا اللهم كن لنا وليا وحافظا وناصرا يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تعفو عنا وأن تسامحنا وأن لا تؤاخذنا بذنوبنا وأن تعفو عنا وأن تصفح عنا وأن تعتق رقابنا من النار وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار وأن تشفع فيها فينا النبي صلى الله عليه وسلم وأن تجعلنا نشرب من حوضه اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتوب علينا وأن تهدينا ونساءنا وآبائنا وأمهاتنا وأولادنا إلى الصراط المستقيم اللهم اهدنا أجمعين اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ونسألك يا إله الأولين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين أن تختم رمضان برضوانك وأن تجعلنا
أن تجعلنا مرحومين في هذا الشهر العظيم ومقبولين في هذا الشهر الكريم وأن تتقبل منا عبادتنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وأن تختم أعمالنا بالصالحات وأن تتقبل منا وأن تجعلنا مخلصين لوجهك الكريم في كل عمل وقول نقوم به يا إله الأولين والآخرين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وَأَنَّ